pendant 3 semaines et demie, qu'on a oublié un peu de faire le week-end dernier. On l'a payé cash, on s'en souvient. Ça, faut pas l'oublier. Ok. Après, moi personnellement, je vous dis très honnêtement, si on fait comment s'entraîner cette semaine, je ne suis pas étonné. On a l'équipe qu'on a créée pendant 3 semaines et demie et qu'on s'entraîne et qu'on joue comment s'entraîner aujourd'hui, hier, je ne suis pas inquiet. Ça, maintenant, faut faire. Faut tout do it. Ok. C'est pas joli, hein. Il me sent super bien. On travaille dur avec l'équipe. Tout le monde est positif et ils ont hâte de commencer la saison. Et enfin, dans 24 heures, on va enfin jouer notre premier match devant le public et à Orléans. Et c'est bien. La salle est magnifique. J'ai jamais vu une salle aussi beau comme ça. Tu vois, vraiment, c'est tout est neuf et tout le monde a envie de voir comment ça sera avec tous les supporters dedans, avec l'ambiance qu'ils vont amener, l'énergie, qu'ils vont nous soutenir comme sixième ou septième homme, tu vois. Et on a vraiment, j'ai vraiment hâte, on va dire comme ça. Après cette saison, on a travaillé à beaucoup de choses parce qu'on est une équipe vraiment très complète. On a travaillé à beaucoup de choses qui peuvent nous aider à gagner des matchs. Comme coach a toujours dit, on a 38 matchs à jouer et c'est 38 finales. Et notre objectif, c'est d'essayer de gagner tous les 38 matchs et c'est ça notre premier objectif. Le reste, c'est privé et on va toujours continuer à travailler. Mais ils savent que chaque joueur de cette équipe, ils vont toujours donner à fond pour que, à fond, même si n'importe quoi est le résultat, on est content avec le travail qu'on a fait. Antibes, c'est une équipe, c'est vraiment que je sais, que c'est une équipe très expérimentée. Ils ont un joueur, le meneur, c'est un meneur qui a 38 ans, je pense. Il est, oui, il est très expérimenté, ils ont un bigman très expérimenté. C'est vraiment une équipe qui a beaucoup d'expérience. Nous, par contre, comme on joue à la maison, on doit essayer de gagner chaque match à la maison. C'est ça notre objectif et le reste, on le voit demain. Tu vois. Le clé du match pour moi, rester ensemble, jouer avec le cœur. Et on a l'avantage d'avoir le sixième homme. Déjà ça, ces trois clés, normalement on ne doit pas avoir peur de gagner ce match. Normalement on doit gagner ce match. J'ai confiance qu'on peut le faire. La seule chose que je veux dire aux supporters, c'est que nous, on va faire le boulot sur le terrain. Mais vous aussi, vous devez faire le boulot dans le stade. Je veux vous attendre, je veux avoir beaucoup l'ambiance. Je veux que vous montrez qui est Orléans et qui sont ces gens à Orléans. Je veux que vous montrez que vous êtes les meilleurs supporters en Pro B, peut-être en France totale. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc ça, c'est mon message de vous. Nous, on va donner 100% au terrain. Vous devez donner 100% aussi dans le stade et ne jamais lâcher. Parce que même si on est up avec 20 points, même si on est down avec 20 points, ne lâche jamais parce que c'est match de basket. One, two, three. OLB.